Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Je vais se célébrer sur le premier dimanche de l'année. Alléluia. 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 Amen. Et nous allons chanter. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mais bénévole, peut louange, ta bonté, car ta bonté, ta bonté vaut mieux que la vie. Bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté, la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, peut louange. Ta bonté, car ta bonté, ta bonté vaut mieux. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix, remplis mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix finie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis, joie de mon sauveur, océan de joie remplit mon cœur. Il m'a promis sa joie infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée. Elle est dans mon cœur, la joie du Seigneur, l'incomparable joie du Seigneur. Elle est dans mon cœur, la joie du Seigneur, l'incomparable joie du Seigneur. Mère céleste, ô Père céleste, le monde entier te rend la gloire, le monde entier te louera. Louera, ô Père
Ensemble. Père, merci. Merci Seigneur pour cette année qui vient de passer. Merci Seigneur que tu as veillé sur chacun de nous avec grâce, sans mérite Père, sans mérite, mais par grâce Seigneur que tu l'as fait. Nous te disons merci Papa pour cette année qui commence, parce qu'avec toi, oh oui, nous réaliserons des exploits. Avec toi, oh Père, nous serons forts et nous le savons, oui. Quelles que soient les circonstances, nous serons victorieux. Parce que, Papa, tu nous as donné ce qu'il faut. Tu nous as donné les hommes qu'il faut. Christ avec nous, c'est la victoire. Christ avec nous, c'est la... Oh, nous sommes victorieux en toutes choses. Christ avec nous, c'est la paix. Avec le Saint-Esprit, Papa, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Sois béni, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Le pasteur Okwa va rendre grâce. Comment ne pas célébrer le grand Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous tient par sa main, le Dieu qui nous soutient dans les temps difficiles. Nous avons connu une période difficile, mais tu étais là, Seigneur. Je te loue ce matin, je te bénis pour ma vie, oh, pour ma famille, Seigneur. Je te loue pour ton peuple. Merci pour ton grand soutien, merci pour tes grâces et pour tes faveurs. Que ton nom soit béni ce matin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour cette nouvelle année. Maintenant, Seigneur, nous voulons ton conseil. Seigneur Dieu, ta Bible déclare que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et nous voulons être éclairés encore ce matin. Seigneur Dieu, le gloire, voici ton serviteur. Tu sais ce que tu as mis dans son cœur. Qui libère tes oracles avec assurance, avec zèle, Seigneur, parce que toi-même, tu veilles sur ta parole. Seigneur, viens disposer nos cœurs, Seigneur Dieu. Que nos cœurs soient fertiles à ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu n'as plus au milieu de nous. Au nom de Jésus, amen. Homme de Dieu, à vous la parole. Nous souhaitons une bonne et heureuse année. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que le président avait déjà dans le site de Hébron nous envoyé le souhait de nouvel an. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Nous sommes heureux d'être là, de voir l'année 2022 plutôt, et vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. L'année 2021 a été
une année très difficile. Non seulement pour nous chrétiens, mais nous pensons que le monde dans son ensemble a connu des moments très difficiles. Avec la pandémie, les difficultés financières et toutes sortes de problèmes qui ont agi dans la vie des hommes, les hommes ont connu vraiment des moments difficiles. Les chrétiens ont été éprouvés, l'Église dans son ensemble a beaucoup pleuré. Et le souvenir de ces moments-là sont toujours là, ancrés dans nos pensées, dans nos mémoires. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu d'avoir laissé cette année partir. Même les collègues, les gens avec qui nous avons cohabité, nous avons dormi ensemble, on a voyagé ensemble, ils nous ont laissé, sont partis. Vraiment, 2021 nous a fait pleurer. Ça, c'est une période passée et nous sommes entrés dans une autre période. C'est une nouvelle chose. Une année, c'est une période. Et lorsque l'année commence, c'est une nouvelle chose que Dieu est en train de faire. L'année 2022 aussi vient certainement avec son histoire, avec une histoire pour chacun d'entre nous, avec des événements à venir que nous, peut-être, nous ne sommes pas encore au courant, nous ne connaissons pas encore. Seul Dieu connaît l'avenir. Dieu est le Créateur qui connaît l'histoire de l'homme dès le commencement à la fin. Et nous le disons, l'année 2022 commence avec son histoire, avec chacun d'entre nous. Par là, nous pouvons comprendre la grandeur de Dieu. Nous pouvons comprendre aussi les limites de l'homme. L'homme est limité. L'homme a des limites dans la connaissance. L'homme a des limites dans l'avenir, dans la destinée. L'homme ne connaît pas tout et l'homme ne prévoit pas de choses, mais les choses viennent à lui parce que Dieu a dessiné un plan pour l'homme. Nous pouvons avoir la crainte de Dieu en ce sens que nous ne connaissons pas l'avenir, on ne connaît pas le temps, on ne sait pas gérer le temps. C'est Dieu qui gère le temps. Et c'est Dieu qui connaît l'avenir. Ce Dieu, il est redoutable, il est grand. Un Dieu qui connaît les événements à venir, qui vont m'arriver, que je vais effectuer, que je vais accomplir. Seigneur, combien tu peux être redoutable. Des fois, nous commençons maintenant, mais ne connaissons pas ce qui va arriver en février, en mars, en avril, en juin. On ne connaît pas, mais seul Dieu connaît. C'est à cause de cela que nous devons avoir de la crainte pour ce grand Dieu et se dire, Seigneur, moi je suis limité, mais toi tu tiens ma vie entre tes mains. Je dois te craindre. Je dois te faire confiance. Je dois te suivre. Je dois te confier ma vie. Bien-aimé, les temps sont difficiles, c'est vrai, mais Dieu n'a jamais laissé son peuple croiser les bras, s'assombrir, s'asseoir, jamais.
Au contraire, lorsque les temps deviennent difficiles, c'est là où Dieu nous incite à nous lever et à travailler. Nous allons lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 10. Notre lecture va commencer à partir du verset 1er. 1 Samuel est un livre historique. Le chapitre 10. Nous commençons même à partir du chapitre 9. Le chapitre 9, à partir du verset 26. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Le chapitre 10, verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baissa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu traverseras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tel-Tchak. Ils te diront, les ânes que tu as allé chercher sont retrouvés, et voici ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de toi. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une houte de vin, ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et la Bible poursuit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Bien-aimé, le roi Saül est le symbole du croyant régénéré, du croyant converti, du chrétien baptisé dans le Saint-Esprit et qui marche par la foi en Dieu. L'homme de Dieu lui fait connaître la parole. Saül, lorsqu'il prend le chemin avec son serviteur pour chercher les ânes de son père, il n'avait pas connaissance de la destinée que Dieu avait pour lui. Il n'avait pas la connaissance de ce que Dieu l'avait prédestiné. Et voilà
dans le besoin d'aller chercher les annexes de son Père, il se retrouve nez à nez avec le plan et la volonté parfaite de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que ton cœur te demande de faire, car Dieu est avec toi. Nous avons connu, c'est vrai, une période difficile. Nous ne sommes pas les gens du monde et même les hommes du monde ne se sont pas arrêtés, n'ont pas arrêté de travailler. Ils n'ont pas arrêté de travailler, n'ont pas arrêté de fonctionner. Le monde a tellement la multiplicité d'activités. Il y a tellement des œuvres et des œuvres. Chacun est dans sa spécialité bien particulière. Chacun fait son métier, ce qu'il connaît faire. Si c'est l'interprétation, il s'applique. Si c'est la prostitution, il va s'appliquer à bien se prostituer. Si c'est construire les maisons, il va s'appliquer à construire. Si c'est le carrelage ou mettre la toiture dans les maisons, je ne connais pas. C'est un chef d'entreprise. Il connaît gérer les entreprises. C'est un bon directeur d'entreprise. C'est un coordinateur. C'est quelqu'un qui sait gérer l'administration. Chacun a sa spécialité. Et pendant les temps difficiles, le monde ne s'est pas arrêté. Ceux qui avaient des bistrots faisaient tout pour faire fonctionner leur bistrot. Ceux qui avaient des entreprises étaient là pour tout faire, pour que ça ne tombe pas. Parce que les gens veulent gagner, les gens veulent réussir, les gens veulent atteindre le but. Dieu non plus ne veut pas que l'Église s'arrête. L'Église ne doit pas s'arrêter. Nous avons bien commencé. C'est vrai que la crise sanitaire est passée par là, mais ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas nous arrêter parce qu'il y a un but à atteindre avec le Seigneur de manière individuelle et d'une manière collégiale. Surtout que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'église au Gabon est une église qui a de l'expérience. Et particulièrement les assemblées de Dieu du Gabon, nous sommes une église qui a eu la grâce vraiment de connaître la vie spirituelle, le réveil, l'onction. Nous sommes restés dedans et dans les piliers de notre assemblée, nous avons le baptême dans le Saint-Esprit et nous avons travaillé pour que les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit, que plusieurs, lorsqu'ils se convertissent, qu'ils reçoivent le baptême dans l'Esprit de Dieu. Et nous sommes restés là. Et nous le savons, frères et sœurs, que le baptême dans l'Esprit, c'est le signe, c'est un sceau de Dieu, un sceau d'appartenance. Dieu confirme que tu m'appartiens. Dieu vient habiter en toi. Dieu dit, tu es mon habitation, tu es ma propriété, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es à moi, tu m'appartiens. Et à partir de ce moment, lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, fais ce que ton cœur te demande de faire. Il y a des ordres qui viendront du haut lieu ou des supérieurs que Dieu établit. Mais il y a aussi des œuvres qui sont des œuvres personnelles que l'Esprit de Dieu te poussera à accomplir. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi en tant que chrétien. Dieu est avec toi en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est avec toi parce que tu es serviteur, parce que tu es servante.
Tu n'attendras pas ce que l'on parle en haut, mais en tant que celui qui est rempli de Dieu, le Seigneur t'amènera à accomplir des œuvres pour la gloire de son nom. Il n'y a pas que des œuvres spirituelles, frères et sœurs. Nous pensons que c'est la période où le chrétien doit se mettre debout, doit se lever pour se mettre à l'œuvre. Parce que tout ce qui nous arrive est pour nous de l'instruction. Vraiment que l'avenir ne nous surprenne plus. Nous avons été surpris. Il n'y a pas un peuple aussi intelligent, aussi sage que l'Église du Seigneur. Mais nous constatons que beaucoup sont aveugles. Nous sommes aveugles parfois. On ne se lève pas de grand matin. On ne considère pas tout ce qui tourne autour de nous. On n'arrive pas à mettre le cœur pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en ai? Où je vais? Que veux-tu que je fasse? Et nous marchons du jour au jour, sans pourtant prendre conscience de tout ce qui est autour de nous. Et même la Bible déclare que les enfants du monde sont devenus plus intelligents que les enfants de lumière. Mais pourquoi la Bible le dit? C'est parce que parfois, nous-mêmes qui sommes chrétiens, des fois, nous avons l'impression qu'on marche dans l'aveuglement, alors que c'est nous qui devrions être les premiers, les plus forts. C'est nous qui devrions organiser. Le monde doit venir demander sagesse chez les chrétiens. Ils doivent voir la lumière et l'intelligence qui brille dans l'Église de Dieu. Mais que lorsque nous nous regardons, on ne voit que des bagarres, on ne voit que du mépris, on ne voit que de la négligence, on ne voit que des palabres. Bien-aimés, 2022 est arrivé. Non plus pour que tu demeures dans la pauvreté, non plus pour que tu continues à crier, à crier, à crier, à crier. Tu vas crier parce que les temps sont difficiles. Mais 2022 est arrivé pour que tu te lèves enfin. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu te mettes au travail. Ne dis pas que tu es bloqué. Ne dis pas que tu es enchaîné. En tant que chrétien, tu ne peux plus être enchaîné. Je suis ta libéré pour que tu travailles et que le fruit se fasse voir. Vous savez, il faut vraiment se déplacer. Il faut parfois porter le regard sur ce que l'autre fait pour que tu prennes conscience de certaines réalités. Il y a nos bien-aimés, nos frères de l'étranger qui viennent au Gabon. Vous ne les verrez jamais venir au Gabon et venir croiser les bras, jamais. Vous ne verrez pas les musulmans croiser les bras. Un musulman ne croise pas les bras. Ils ont compris que l'économie, la finance, lorsque tu as l'argent, personne ne va te mépriser, personne ne va se moquer de toi. Et pour que tu aies de l'argent, il faut que tu travailles. Nous arrivons du Togo. Moi, j'ai vu des étudiants de troisième année, en licence, en master, de quatrième année, qui sont venus. Ils viennent demander le travail chez des étudiants à la FATAD. Il est étudiant en quatrième année, en master. Mais c'est lui qui te lave le linge. Il prend ton pantalon à 200 francs. Ta chemise à 200 francs. Ils ramassent tes poubelles. Ils font ils lavent les douches des étudiants. Et le soir, ils vont au cours. Vous n'allez jamais voir un Togolais faire tomber 5 francs par terre.
5 francs a de la valeur parce que 10 francs, tu peux tirer tes papiers de ta clé USB. 10 francs. Mais le Gabonais, mais 5 francs n'a pas de signification. 25 francs, on les appelle les pièces jaunes. On met de côté. Or, l'argent, c'est la valeur. Tout commence à partir de 5 francs, même les pièces de 1 franc. Nous, les Gabonais, on ne peut pas accepter d'aller laver les WC des gens. On nous a appris qu'un pasteur, il était encore étudiant. Il avait un bout de terre dans la concession de l'institut. Il plantait ses tomates et à la fin de l'année, il s'est retrouvé avec plus de 1 700 000 francs avec les jardins qu'il faisait à côté. On nous a rapporté que dans un pays en Indonésie, une chrétienne qui priait pour les pauvres a vu une famille vraiment pauvre. Elle s'est dit, Seigneur, mais comment dois-je les aider? Comment dois-je les aider? Et un jour, elle fera une visite dans cette famille et elle va constater que cette famille avait une petite portion de terre tout juste à côté qui ne faisait même pas autant de carrés, autant de mètres carrés. Elle a dit, tiens, est-ce que vous savez cultiver? Ils ont dit non. Elle les a appris à planter. Et d'après l'histoire, cette famille est sortie de la pauvreté. Et rien qu'avec la terre. Avec la terre. Une fois, je suis allé chez ma belle-famille au 80 et nous avons amené des boutures de manioc, mon épouse et moi, tellement qu'il y en avait beaucoup, on les a jetés net à l'entrée de chez papa. J'habitais à l'époque chez mon père, papa Balondi, et on les a mis quelque part sur le ciment. 6 mois après, je suis repassé par là. J'ai trouvé que les boutures de manioc ont poussé. Il y avait les feuilles de manioc qui ont poussé, oh, même sur le ciment. Je suis allé voir mon épouse, on a cueilli les feuilles de manioc et nous avons mangé les feuilles de manioc. Là où nous revenons, les Burkinabés nous ont dit, pasteur, pour arriver à cultiver chez nous, il faut un effort particulier. Il faut labourer la terre. Il faut remuer la terre. Invitez-nous chez vous là-bas. Parce que nous avons appris qu'au Gabon, tu jettes, ça pousse. Tu jettes, ça pousse. Mais les feux de manioc coûtent de l'argent. La tomate coûte de l'argent. Lorsque les autres viennent, ils font des plantations. Avec la tomate, ils vendent la tomate. Et ça donne de l'argent. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, regarde, même le ciment fait pousser tes feuilles de manioc. Et tu cries de faim. Dieu a tout donné à l'homme. Tu dis que tu es bloqué. Tu n'es pas bloqué. Qui te bloque? C'est le diable ou bien c'est toi-même? Soit c'est la paresse, la négligence, l'ignorance, l'aveuglement ou tu es aveugle. C'est ça qui nous amène à souffrir. Ce n'est pas Dieu. Dieu a tout accompli. Le salut que Dieu donne est un salut total, un salut de liberté absolue. Et cette liberté n'est pas limitée uniquement sur le plan spirituel. C'est aussi dans tout le sens de la vie de l'homme. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu veux te marier, tu n'as pas l'argent, il n'y a rien. Mais il faut que tu aies l'argent pour te marier. Tu veux bien manger, il faut que tu aies de l'argent pour bien manger. Mais pour que tu manges bien, lève-toi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever, d'autres qui n'arrivent pas à se courber. Et ils crient nuit et jour, Seigneur, je n'ai pas l'argent.
Tu penses que parce que tu cries que l'argent va venir, la Bible déclare sème et tu récolteras. Les temps sont difficiles. Le monde travaille. Il cherche des idées, des nouvelles idées. Il cherche des réformes. Comment gagner? Comment gagner? Mais l'Église, qu'est-ce que l'Église fait? Les autres gagnent de l'argent. On ne parle pas aux musulmans. On ne les parle pas parce qu'ils ont de l'argent. Et lorsque un est souffrant, les autres viennent au secours parce qu'il y a l'argent. C'est à cause de cela qu'ils recrutent le monde. Mais quelle est la stratégie de l'Église aujourd'hui pour devenir fort? Oui, mon ami, tu peux avoir l'onction. Mais si tu as une paire de chaussures Manjango, les gens ne vont même pas te regarder, même pas un peu. Les gens écoutent ceux qui s'habillent bien. Les gens écoutent ceux qui sont dans les grandes voitures. Les gens écoutent ceux qui ont de l'argent. Ceux qui influencent. Jésus n'était pas un Manjango. Oh, gloire à Dieu. Il n'était pas un Manjango. Jésus était riche. Il est toujours riche. Si ton Dieu est riche, pourquoi tu es pauvre? L'Église de Dieu. Le manque d'unité, le manque d'amour, vraiment, ce sont des caractéristiques qui circulent au milieu de nous. Au lieu de penser comment on doit être fort, comment on doit gagner le monde, comment on doit aider notre pays. Vous voyez les catholiques, ils ont des écoles. Des écoles, ils ont des hôpitaux. Les protestants ont suivi, l'Alliance chrétienne aussi suit un peu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes incapables? Parfois, nous faisons des conventions et nous avons de l'argent. Est-ce que nous sommes incapables? Nous qui avons Jésus, nous qui avons Dieu, est-ce que nous sommes incapables? C'est la période, c'est le temps de s'élever. Le temps d'être intelligent. Seigneur, les jours viennent, seront encore plus mauvais. Il ne faut plus que je sois la même personne. Il ne faut plus que je sois la même personne. Nous allons prier le Seigneur. Dans les temps derniers, les justes brilleront comme le soleil. L'intelligence sera renouvelée dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Les temps sont sombres et difficiles. Bien-aimés, soyons intelligents. Revenons à Dieu. Appliquons-nous. Soyons unis. Mettons nos efforts ensemble pour que Dieu se serve de nous. On va prier ensemble. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Oh Dieu, vraiment que tu nous aides. Que tu nous aides. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, nous qui, à qui tu ouvres les yeux, de comprendre ces choses, de constater, d'observer, de voir, Seigneur. Aide-nous, 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 Seigneur. Aide l'Église à se tenir debout. Aide l'Église à se lever, à se mettre au travail. Qu'il n'y ait plus ceux qui pleurent parce qu'il n'y a pas à manger. Ceux qui pleurent parce qu'il n'y a pas de travail. Ceux qui pleurent, Seigneur, parce que oh, les portes sont fermées. Non, tu as tout payé. Tu as tout donné pour ton peuple. Pour que nous puissions entrer, Seigneur, dans la félicité, dans la gloire, dans le succès. Nous te prions ce matin de nous aider. Par le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je ne veux plus retourner dans le pays de la destruction. Je ne veux plus retourner dans ce pays. Alléluia, gloire à Dieu. Mettons-le debout et chantons ce cœur. Je ne veux plus retourner. Plus retourner au pays. Au pays. Des destructions,
Je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus retourner dans l'ignorance. Et je ne veux plus retourner au pays des destructions. Je ne veux plus, Seigneur. Nous ne voulons plus demeurer dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Mais nous voulons être un peuple fort, un peuple travailleur, un peuple debout, un peuple éveillé, un peuple qui travaille, un peuple qui réussit. C'est ce que nous voulons. Élève ta voix, dis Seigneur, bénis ma vie, mon Dieu. Ouvre mes yeux, que l'Église soit debout et que le peuple soit fort. Que l'Église travaille dans le succès et la réussite. Élève ta voix, prie le Seigneur. Mon ami, ne reste pas la bouche fermée. C'est le temps de prier. Le temps de prier Dieu pour toi-même et pour ton frère, pour ta soeur. Prie le Seigneur ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Papa et tout le va élever sa voix pour nous tous avec le DP Tousso. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, en ce premier dimanche de l'an. Tu as choisi ton serviteur ce matin pour pointer du doigt, ô Dieu, à nos problèmes, à nos incapacités de nous lever, de faire quelque chose pour nous nourrir et nourrir notre famille. Nous crions, Seigneur, nous demandons, nous mendions, ô Seigneur, daigne pardonner chacun de nous ce matin. Que ton Saint-Esprit nous réveille à travers ce message. Fais que désormais, nous nous mettions au travail. Oh Seigneur, nous avons des capacités, nous avons des connaissances, mais nous n'arrivons pas à nous lever. À travers ce message, donne-nous le courage de nous lever en cette année 2022. Fais que chacun de nous, Seigneur, soit prospère dans sa famille, dans sa maison. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton serviteur pour ce message. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, ta parole déclare: on peut périr parce qu'il manque la connaissance. Seigneur, tu viens de nous le rappeler. Tu es ton serviteur. Maintenant, nous levons en tant que ton peuple pour sortir de l'ignorance. Nous proclamons que nous sommes maintenant intelligents. Intelligents et dominés. Parce que tu nous as donné, oui, la puissance. Oui, tu nous as donné l'autorité pour dominer. Dominer sur les temps, dominer sur les situations, dominer sur les circonstances. C'est nous qui dominons maintenant. Seigneur, tu rends ton peuple prospère. Oui, tu nous dis que nous sommes prospères à tous égards. Que cette prospérité maintenant, au cours de cette année 2022, soit palpable dans la vie de ton peuple. Seigneur, ton peuple se lève maintenant pour triompher, pour dominer. Oui.
prie pour faire connaître ton nom, ton nom bien glorieux. Nous sommes plus pauvres, nous sommes enrichis de ta richesse, Seigneur. Oui, nous n'allons plus couper de la misère, de la précarité. Nous sortons de tous ces moments dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est une année prospère, une année bénie, une année de grâce, une année où toi, tu es au centre de notre vie, où nos yeux sont constamment tournés vers toi, pour glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, merci, parce que tu as tout accompli, tu as tout planifié, pour que nous puissions lui glorifier ton nom à chaque jour que toi tu fais. Merci, notre Seigneur, tu bénis ton serviteur, pour donner à toi davantage, et que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen.